Phénomène puissant et parfois mortel, les avalanches peuvent être dramatiques. Ces brusques glissements de neige sont pratiquement toujours déclenchés par leurs victimes. Les vibrations causées par des skieurs ou des snowboardeurs hors piste sont capables d'arracher de larges dalles de neige au flanc de la montagne. Pour qu'une avalanche se déclenche, il faut le plus souvent une couche de neige fraîche tombée sur une pente de moyenne ou forte inclinaison. La neige de surface fond et la couche se transforme en une fragile dalle glacée. Une nouvelle averse de neige vient alors enfouir cette plaque instable dans le manteau neigeux. Cet empilement surcharge la sous-couche du manteau. Un simple skieur suffit alors à faire bouger des pans entiers de neige. L'avalanche se déclenche. La masse en déplacement peut atteindre des vitesses de 130 km/h en quelques secondes, emportant tout sur son passage. Près des zones habitées, les avalanches peuvent causer des coupures d'électricité, détruire des routes et des bâtiments et parfois prendre des vies. Avant les mois d'hiver, les stations de ski prennent des précautions pour éviter des avalanches majeures. Il peut s'agir de barrières ou de filets ou du déclenchement préventif d'avalanches à l'aide d'explosifs pour évacuer une partie de la neige accumulée.